Tu vas doucement. Encore. Encore. Vas-y, laisse pas arrêter. C'est bon. Ah, laisse-le comme ça. Et quand les parents ont acheté le moulin en 1928, il n'y avait plus la roue. C'est la troisième que je connais. Une roue comme ça, c'est fait pour durer à peu près 20 ans. Vous savez, quand on fait en bois, hein. Et le métal, il y a le pour et le contre. Le métal, évidemment, ne pourrit pas, mais il y a la rouille. Il faut vérifier surtout la roue. C'est surtout la roue, puis moi, il faut aller... Tout ce qui est de système d'engrenage, les dents, hein, surtout. Les dents, on appelle ça, le vrai nom, c'est les aluchons. Quand vous mettez l'eau sur la roue, c'est pour ça qu'il faut la mettre progressivement, qu'il n'y a pas un gros coup de bélier, parce que la répercussion va se faire dans les engrenages, et les dents, elles vont plus ou moins supporter le... Et alors ici, c'était donc un moulin, qui était équipé d'une paire de meules, mais c'était des meules à blé. Parce que les meules, il y en a de différentes sortes. Alors, lorsqu'elles ont été déclassées, les parents, vous voyez, n'ont plus jamais refait de blé, du reste, c'est très vieux, et ils ont fait du sarrasin et ils moulaient pour les cochons, comme ils disaient. Il y avait beaucoup de cochons, tout le monde élevait deux ou trois cochons, tout le monde tuait un cochon ou deux, et puis, ma foi, il fallait bien qu'il y ait des moulins comme ça, quoi. Eh bien, l'importance des moulins, il y en avait des quantités de moulins comme celui-ci, bien sûr, des plus importants, bon, avec plusieurs paires de meules, bien sûr. Et ces moulins, évidemment, servaient à écraser la mouture pour les gens qui faisaient leur pain à l'époque, eux-mêmes, parce qu'il n'y avait pas les boulangers comme il y a maintenant. Les gens, il y avait un four, comme vous voyez ici, chez tout le monde, et les gens faisaient leur pain eux-mêmes. Alors, évidemment, pour faire le pain, ils amenaient le grain à moudre au moulin. On choisissait le meunier le moins voleur, hein, comme il disait. Ah, tous les meuniers, c'est les voleurs. Alors, le père, vous voyez, qui était meunier aussi, il disait, ah oui, mais tous les voleurs ne sont pas meuniers. Oh, ben, vous savez, les meuniers, ils étaient toujours accusés de ceci, de cela. Parce que les gens, voilà, on allait chercher le grain chez les gens de la campagne, comme ça, quoi. Et alors, le meunier se payait jamais, vous pouviez aller au moulin sans porte-monnaie. Les gens ne payaient jamais en argent. Le meunier se payait sur les sacs. Ça soit de l'avoine, ça soit n'importe quoi, il se payait. Vous dire, je ne me rappelle plus, c'était en livre à ce moment-là. Hein. Je crois que ce meunier me rappelait qu'on prenait 4 livres. 4 livres, c'est pas un kilo, hein. 4 livres au double décalite. Alors vous voyez, ça faisait environ 2 kilos par 20 litres, quoi. Mais alors, mon père disait toujours, mais ils ne peuvent pas être voleurs, ce que vous me dites donc. Ils volent chez eux, ils ne peuvent pas être des voleurs, parce que le grain était chez eux. Parce que vous savez, moi, quand j'ai débuté, je suis sorti de l'école, mon père m'a dit, ben maintenant, c'est bien, tu as ton certificat d'études, tu vas prendre les bourricots, tu vas aller faire les tournées. Alors, vous voyez bien, un pauvre gamin à 13-14 ans, il n'est pas bien épais. Hein? Alors, des fois, les femmes... Elle me disait, ah ben tiens, il y en a deux sacs à le prendre, ou trois sacs sur le devant du grenier. Alors je me disais, comment je vais faire pour descendre ça? Alors je descendais ça sur mes bras, en tenant l'échelle, comme ça. Et puis ma femme, j'ai reculé la carriole de bourricot au pied de l'échelle, car que je l'échappe. Je me disais, ça va tomber toujours dans la carriole. Puis alors, les femmes, bien souvent, quand il y avait, les hommes étaient là, ils disaient, ben tiens, va donc voir la Marie, elle va te boire un café. Et puis, une fois que vous voyez bien, vous apprenez un an de plus, et bien, la Marie, elle disait, ben, tu as une petite goutte dans ton café. Ah, ben, elle disait, oui, après tout, hein, c'est peut-être meilleur. Hein. Et voilà, on revient alcoolique. Ah, ben, vous savez, le meunier, souvent, quand il rentrait le soir de sa tournée, il mettait son moulin en route, il moulait beaucoup la nuit. Quand il y avait de l'eau,
Mais ici, dans Plancher, il n'y a jamais eu beaucoup de moulins. Ils ont recensé jusqu'à 4 moulins qui ont existé dans le... mais de très vieille date, hein, qui ont existé ici dans Plancher. Et dans ces moulins-là, beaucoup, on vivait toute une famille. Il y avait le père, la mère, les enfants, il y avait toujours un petit commis, quelque chose. Il y a toujours du monde. Ah, ben la femme du meunier, elle avait les cochons à s'occuper. Fallait, partout, vous voyez, partout que nous sommes ici, c'était plein de pommes de terre. Alors, il fallait faire tous les jours, il y avait un fourneau, 50 kilos de pommes de terre, quand il y en avait encore, à faire cuire, donner à manger à tous les bestiaux, s'occuper des gamins. On était 4 enfants à la maison, vous voyez. Et puis la cuisine et tout, la lessive, il n'y avait pas les machines à laver, comme maintenant. Eh bien, vous savez, il y avait de quoi d'occuper une femme. Hein. Oh, les meuniers, c'est des bons vivants, au contraire. Oh, oui. Même des fois trop bons. Oh oui, ben, moi, le paternel, par exemple, vous savez, il était heureux quand il foutait le camp comme ça. Ben, regardez, non, c'était des gars qui avaient connu la misère, que la misère aussi. Quand la guerre s'est déclarée, la guerre de 14, 3 ans de service, 4 ans de guerre, on se demande que c'était des gens redevenus normaux. Alors, lorsque l'électricité est née, c'est des moulins qui ont cessé une certaine activité. Ils sont reclassés sur les dernières choses qu'il y avait, ces moutures de sarrasin ou d'avoine, le cochon. Mais le blé, c'était fini. Alors, à la suite de tout ça, c'est des moulins qui ont repris vie pendant cette triste guerre de 40 pour repêcher, évidemment, comme les gens, c'était affreux, le pain était affreux, la farine aussi, tout était interdit. Alors, automatiquement, tous les moulins essayaient de faire de la farine en douce. Pas vu, pas pris, hein. Ah ben, il y avait d'autres moulins aussi qui ont existé, mais que j'ai connus, les moulins à huile. Ici, il y avait beaucoup les moulins à navette, l'huile de navette. Et c'était pour remplacer l'huile qui manquait pendant la guerre. J'ai connu que surtout les moulins à farine et puis à huile. Hein. Les boulangers, maintenant, évidemment, c'est normal. Ils ont appris à travailler avec une farine qui est faite avec des cylindres. La meule, elle vous donne une farine plus, comment je veux dire, plus sableuse, si vous aimez mieux. Alors, la tenue de la pâte n'est pas la même. Maintenant, point de vue de qualité, ça ne change rien. Ah ben, moi, je suis parti à Paris en 1948. J'avais donc 24 ans. Le moulin s'est arrêté, là. Vous voyez, heureusement, la guerre était finie et tout. Les gens quittaient la campagne. Ceux qui avaient les réfugiés repartaient en ville, et ainsi de suite. Et nos pays commençaient à se vider aussi. Hein. Alors, j'avais donc plus rien à faire. Pas suffisamment pour rester là.